Près de 3 semaines après le décès de la reine Elisabeth II à 96 ans, et 1 semaine après les funérailles de la monarque organisées à l'abbaye de Westminster. Les hommages à celle qui a passé 70 ans sur le trône britannique continuent d'affluer. Ce dimanche dans Hello Magazine, c'est James Middleton, le frère de Data Link People égal à 0 yen 26e 4A 637 B 4C 5A 88A 18C 9e 4C 81e 24 Middleton et de Pippa. Qui a évoqué la mère du nouveau roi, Charles III. L'homme d'affaires de 35 ans. Marié à la française Alizée Thévenet, est un amoureux des chiens. Heureux propriétaire d'un golden retriever prénommé Mabel. Il a accueilli un nouveau chiot il y a quelques semaines. À la lumière des récents événements, je voulais un nom qui soit un hommage touchant à la défunte reine. A expliqué celui qui a connu une longue période de dépression. Son choix s'est ainsi porté sur Bertie. Soit le surnom qui était donné au père de la souveraine, George VI. James Middleton n'a pas gardé ce chiot chez lui. Il l'a en effet donné à une organisation caritative pour qu'il devienne guide pour les personnes malvoyantes. Une décision qui, là encore, est un hommage à la grand-mère des princes William et Harry. C'est incroyable que la reine y consacre sa vie au service de son peuple, et à bien des égards. Bertie le chien consacrera aussi sa vie au service, a-t-il indiqué. Admiratif d'Elisabeth II, le frère de la princesse de Galles a été extrêmement ému en regardant les obsèques nationales à la télévision. Il est extraordinaire de voir combien de vies Sa Majesté a touchées, non seulement dans notre pays, mais dans le Commonwealth et le monde entier. Mes yeux se sont encore plus ouverts par rapport à cela. A-t-il souligné. Peu commun, son hommage aurait certainement plu à Elisabeth II. La reine était en effet une passionnée d'animaux, notamment de chevaux et de corgis. Thank you.